Un été lourd, orageux, semble peser sur ces campagnes chaque fois que je les traverse. Toujours surpris d'y retrouver devant moi tout à coup, à l'angle d'un pont suspendu vieillot, cette Loire campagnarde qui s'acoquine ici un moment avec les glèbes venteuses et hivernales du nord. Une tristesse calviniste en serge argeau et ses rues engourdies. Posé de biais au bord du fleuve, précautionneusement, comme au bord des divagations d'un arroyo nègre, la petite ville s'ennuie et semble n'avoir avec lui nul commerce. Sa vraie façade est sur les champs de grande culture, vers lesquels elle tourne ses élévateurs à grains et ses trémiers à engrais. Quitter les déserts nus d'orge et de betteraves, où la Loire se traîne avec dépit comme une femme rebutée. La fraîcheur des lambeaux de la forêt d'Orléans, vers Fayot-aux-Loges, est comme une oasis verte. Julien Gracq, Lettrine 2. juillet 2019. Au loin, les joueurs de pétanque, le cliquetis métal des boules cognées l'une contre l'autre, et le bruit du vent dans les branches du cerisier. Le hors-champ est présent par le son collé à l'image. Tu peux dire tout ça avec des mots, mais dans ta tête, quel code pour l'anodin du monde autour? Dans ta tête, quoi pour le bruissement du monde? 13 juillet 19. Ce n'est pas de ce passé-là que parlent les panonceaux pour les touristes. Pas de ce passé à la chair encore tiède. Pas de ce monde qui s'évide, défait par la norme et par l'argent. En filmant, je me dis que derrière ces ruines, il y a des mains dont je ne saurais jamais ce qu'elles sont devenues. juillet 2019. J'ai reçu le gimbal et la caméra pour sportif. Je galère avec l'équilibre du gimbal qui doit supporter le téléphone lesté de son micro. Il me faudra des contrepoids. Et toujours la même appréhension devant l'objet technique. Le même sentiment de ne pas réussir à faire.
15 juillet 19. Départ vers Reims pour le déménagement d'Étienne. Dormi dans le même hôtel que lorsque j'étais venu chercher un appartement avec lui. Les mêmes fenêtres déjà filmées l'an dernier. Je me dis qu'il y a des villes qui ne font que passer dans une vie. Le soir, un mail de Joachim m'apprend que le site est rétabli. Soulagement. Même si si peu vont voir ce site. C'est un peu une part de moi. De ce que j'aurais essayé de faire. Juillet 19. Déménagement de Reims à Cergy, puis retour à Orléans. Des escaliers, des ascenseurs et des autoroutes. Je dis à Étienne comme on garde en mémoire les différents lieux qu'on habite, particulièrement les premiers. Le 17 juillet 19.